Si l'on peut aisément comprendre qu'un mot puisse signifier une action, comment comprendre et expliquer qu'il puisse exercer une action euh, Dans mon exposé, euh, je me suis intéressée à la manière dont l'action est comprise comme la propriété de certains mots au XIIIe siècle, dans la tradition parisienne, et notamment à travers les discussions des philosophes grammairiens modistes sur la fonction distributive du terme omnis, plus spécialement... Qu'elle qu est exposée par Adolphus Brito, devenu maître art à la faculté de Paris autour de 1290, considéré par Sten et Bessin comme le dernier des plus éminents maîtres de son époque, je fais référence à un de ses articles à ce sujet, et l'une des figures emblématiques des grammairiens modistes. Cette position euh, est confrontée, va être confrontée euh, à celle de Roger Bacon, de sorte à mettre en évidence. Les particularités de la théorie modiste. Dans un premier temps, je présenterai la distinction entre catégorem et cinq catégorèmes, dans laquelle se range le terme omnis. Ensuite, je présenterai des explications données à celle-ci, selon les différents auteurs, autour de la question de savoir si les cinq catégorèmes signifient et si oui, quoi. C'est à ce moment-là qu'interviendra la notion d'action. Puis je montrerai ce qui distingue la manière de comprendre la signification selon les modistes euh, et Roger Bacon. J'exposerai enfin la position de Brito sur la fonction distributive dans le cas des termes de la distribution d'un terme équivoque, ce qui est l'occasion de montrer que Radulfus Brito tient compte de deux perspectives différentes pour expliquer la signification et comment aussi sa propre interprétation de la notion d'action euh, intervenant dans le cas de la distribution euh, à quelque chose de particulier? la distinction entre catégorèmes et cinq catégorèmes est typiquement d'usage au moyen âge et tout spécialement au xiiie siècle, où les cinq catégorèmes font l'objet de nombreuses études. des traités entiers leur sont dédiés. On parle de catégorèmes et de cinq catégorèmes à propos de mots constituant un énoncé ou une phrase. Par catégorème, on désigne le type de mots qui ont une signification propre dans la mesure où ils renvoient à un objet ou à un accident. Par opposition, les cinq catégorèmes sont des mots qui n'ont pas de signification propre, mais qui, dans un énoncé, s'ajoutent à ceux qui ont une signification propre, à savoir les catégorèmes. Les cinq catégorèmes participent ainsi aussi à la signification d'un énoncé. Un cinq catégorème est un mot traditionnellement considéré comme ne suffisant pas à lui-même d'un point de vue sémantique, tandis que les catégorèmes bon, suffisent à eux-mêmes. La particularité du cinq catégorème est donc de ne pas être un catégorème, pour reprendre une formule euh, souvent usitée. Un nom ou un verbe sont... Donc des catégorèmes. Et en effet, dans une phrase ou une proposition, ils peuvent être sujet ou prédicat. Ils peuvent renvoyer à une chose, à un accident ou à une action. En revanche, un adverbe comme seulement, une préposition comme être ou un quantificateur comme tout, omnis, sont des cinq catégorèmes. Ils n'ont pas l'autonomie sémantique d'un nom ou d'un verbe dans la mesure où ils ne signifient pas quelque chose par eux-mêmes. Encore une fois. En fait, euh, pour citer euh, Frédéric Goubier euh, dans un article intitulé Les cinq catégorèmes au XIIIe siècle, euh, leur existence sémantique dépend, dépend de celle des catégorèmes. Donc la distinction n'est pas née au Moyen Âge, elle est bien plus ancienne, bien que ce soit au XIIIe siècle qu'elle va être débattue et théorisée euh, à fond, dirais-je. Les auteurs prêtent en effet un grand intérêt aux cinq catégorèmes, ce qui est attesté par la quantité d'œuvres sur le sujet, notamment dans la tradition terministe. Le terme sinécatégorimata se trouve déjà dans une œuvre de Priscien, et c'est probablement lui qui a introduit cette terminologie chez les médiévaux latins. En effet, Priscien explique qu'il y a une manière possible de diviser les parties du discours entre elles. Ce n'est pas l'unique manière d'ailleurs, mais celle-ci en tout cas consiste à ranger d'un côté, les parties du discours qui par elles-mêmes suffisent à constituer un énoncé, et les parties du discours qui ne le peuvent pas. Donc, je vous donne les textes en latin, euh, sauf deux exceptions, où elles sont données en français, et je vous, je vous les lis en, en français. Donc, par suite, selon les logiciens, il y a seulement deux parties du discours, à savoir le nom et le verbe, parce qu'elles seules, même jointes sans rien d'autre, une phrase complète, mais les autres parties du discours il les appelait des cinq catégorèmes, c'est-à-dire des consignifiants. Alors, dans l'extrait, il ne nie, ne, ne nie ou ne rejette pas la division des, des traditionnelles huit parties euh, du discours. Il explique que les logiciens divisent les parties du discours en deux, les huit en deux catégories encore ceux qui suffisent pour constituer un énoncé ou une phrase complète et ceux qui s'y ajoutent et qui n'ont pas la propriété de former à eux seuls une phrase on comprend dans ce que dit Priscien qu'une phrase pour être complète doit contenir au moins un nom et un verbe je le répète, sujet prédicat les autres parties du discours sont consignifiantes au sens qu'elles signifient avec, qu'elles accompagnent le nom et le verbe, cette idée de consignifiant peut être approchée de ce dont parlait Aristote dans le déinterprétationné chapitre 10 à propos du terme tout, tout est un mot qui s'ajoute euh, c'est ce qui est ajouté qui est vraisemblablement rendu par con carré signifié avec. Ce qu'il faut comprendre de cette distinction est principalement que les catégorèmes signifient par eux-mêmes quelque chose, tandis que les cinq catégorèmes non. Ils ne signifient pas par eux-mêmes, du moins pas de la même manière que le font les catégorèmes. Mais les cinq catégorèmes s'ajoutent aux catégorèmes, participent, je le disais, participent au sens d'un énoncé. En effet, les cinq catégorèmes se combinent avec les catégorèmes de sorte qu'ils déterminent le contenu logique d'une proposition. En fait, ils influencent les conditions de vérité d'une proposition. Pour être une proposition, un énoncé ou une phrase doit à minima avoir euh, des termes de référence, sujet plus prédicat. Les cinq catégorèmes vont quant à eux donner une information sur les conditions de vérité de la proposition et définir la relation une relation, euh, disons possible, euh, entre les catégorèmes. C'est là tout leur intérêt. On a connaissance pour le XIIIe siècle de traités sur les cinq catégorèmes, des traités dans lesquels on trouve recensés les principaux cinq catégorèmes, les définitions de leurs fonctions sémantiques et l'analyse de leur impact dans certaines occurrences, spécialement des énoncés porteurs d'ambiguïté. Or, c'est à travers quelques réflexions sur la différence entre catégorème et syncatégorème qu'on voit bien se dessiner les différents types de signification, les différentes façons dont peuvent s'exercer le pouvoir des mots. Si par pouvoir des mots, on entend euh, la signification. Dans un cas, je pense à la signification des mots au sens de la signification de type signe objet, la signification comprise en tant que référence à un objet ou un contenu représenté et dans un autre cas, à la signification signe-fonction, qui correspond aussi à un pouvoir des mots désignant leur fonction à l'intérieur d'une phrase et, a fortiori, bon, d'une proposition. Un mot peut influencer le sens d'une proposition. Enfin, ces phénomènes sémantiques et syntaxiques liés aux mots sont aussi influencés par une dimension pragmatique, c'est-à-dire la manière dont le contexte extralinguistique influence et détermine lui aussi, le sens d'un énoncé. Donc par pragmatique, j'entends ici simplement l'intention de signifier du locuteur, l'interprétation de l'interlocuteur et la prise en compte du contexte d'énonciation pour participer à donner du sens à l'énoncé. Mais avant d'aborder comment la notion d'action est utilisée pour expliquer la fonction d'un terme syncatégorématique, spécialement avec le cas d'Omnis, euh, voyons encore. Comment la signification est distinguée de la consignification S'il est aisément, c'est deuxième point, s'il est aisément concevable qu'un catégorème signifie une chose, un concept, un contenu mental, etc., il l'est moins pour un saint catégorème Est-ce qu'il signifie ou ne signifie rien, si ce n'est qu'il consignifie Dans son traité sur les cinq catégorèmes Nicolas de Paris dit à leur propos il en va de la même façon pour les choses de raison et en particulier les mots, à savoir le fait que certains mots font ce qu'ils sont destinés à faire sans aide d'autre chose. Signifier, il signifie. Puisque tout son vocal est destiné à signifier, car ainsi que le dit Aristote, des sons vocaux sont les signes des passions qui sont dans l'âme, c'est-à-dire qu'ils signifient des intellections. Ils sont appelés catégorèmes, c'est-à-dire signifiants. D'autres ne signifient pas eux-mêmes mais en conjonction aux autres ils sont appelés cinq catégorèmes bon. je, les traductions sont assez assez libres j'espère que par contre je euh, ne trompe pas le sens voulu alors là euh, avec cet extrait rien de nouveau par rapport à ce qu'on a dit euh, tout à l'heure mais on peut avancer la question suivante est-ce que le Saint-Catégorème, s'il ne signifie pas par lui-même, est-ce euh, que ça veut dire pour autant qu'il ne signifie pas euh, quelque chose Frédéric Goubier, dans son article, explique qu'il y a deux raisons que les médiévaux du XIIIe siècle invoquent pour prouver que les Saint-Catégorèmes signifient quand même quelque chose, bien que ce ne soit pas de la même manière que le Catégorème. La première ayant pour point de départ ce que dit Priscien des parties du discours à savoir que toute partie du discours en tant que son vocal indique un concept mental. Qu'est-ce qu'une partie du discours peut être d'autre si ce n'est un son vocal indiquant un concept mental, c'est-à-dire une pensée Un son vocal indique au moins une activité mentale qui est une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour dire qu'il y a une relation de signification. Pas suffisante car on ne nous dit pas ici l'objet ou le type d'activité signifiée. La deuxième raison invoquée est inspirée de Boès et insiste sur l'influence des cinq catégorèmes dans une proposition. Si les cinq catégorèmes modifient les conditions de vérité d'une proposition, c'est qu'ils sont dotés de quelques propriétés sémantiques. On trouve cet argument expliqué chez Pierre d'Espagne. Une phrase est dite vraie ou fausse à partir de ce qu'une chose est ou n'est pas. Mais la vérité ou la fausseté... Sont aussi causés par des mots syncatégorématiques, comme seulement, seul, euh, bon, si ce n'est, sauf et autres équivalents. Par conséquent, les mots syncatégorématiques signifient des choses. Or, ils ne signifient pas des choses subjectables ou prédicables. Donc, il signifie des choses qui sont des dispositions, de ce qui est subjecté ou prédiqué, parce qu'il n'y a rien dans un discours vrai ou faux, si ce n'est un sujet, un prédicat ou une disposition. Il y a deux raisons qui causent la vérité ou la fausseté d'une proposition, la correspondance avec la réalité et les déterminations intra-propositionnelles opérées par les cinq catégorèmes qui délimitent, déterminent les conditions de vérité de la proposition. On dit qu'une phrase est vraie ou fausse au regard de sa correspondance avec la réalité de la chose décrite. C'est une raison, euh, très euh, brutalement donnée ici, mais bon, ce n'est pas le point principal. Mais les termes synchrétégorématiques d'une proposition déterminent les conditions de vérité en vertu desquelles une phrase peut être dite vraie ou fausse. C'est une autre raison. Donc, si je dis par exemple tous les animaux sont bipèdes ou certains animaux sont bipèdes, le 5 catégorème ici tout détermine la vérité ou la fausseté de ma proposition. proposition. Si je dis simplement les animaux sont bipèdes, je donne à penser à un certain état de choses, à savoir des animaux bipèdes. Et c'est ajouté à cette proposition le quantificateur universel tout qui fait que dans un cas, ma proposition est fausse. Tout ici causerait la fausseté de ma proposition. Il en est la raison car être bipède n'est pas vrai de tous les individus appartenant au genre animal. En revanche, certains ici causeraient éventuellement la vérité de ma proposition euh, en en limitant l'extension. Les animaux sont bipèdes, est vrai si elle se limite à certains cas. Il dit ensuite que les mots cinq signifient quelque chose, mais pas en tant que la chose est un sujet ou un prédicat, mais en tant qu'ils signifient les cinq catégories la manière dont sujet et prédicat sont disposés. À ce stade, on peut dire qu'un catégorème signifie, au sens qu'il indique la manière dont les termes catégorématiques d'une proposition sont disposés, universellement ou particulièrement en composition ou en division, etc. On peut voir, on va lire maintenant des textes qui répondent aussi à la question de savoir ce que signifient les cinq catégorèmes et comment ils se distinguent de la manière de signifier d'un catégorème. C'est parce que les cinq catégorèmes déterminent, orientent le sens d'un énoncé dans une phrase, qu'ils sont dits agissants. Ils agissent sur les termes catégorématiques de la phrase de sorte à orienter le sens de celle-ci. Les cinq catégorèmes ont une fonction agissante, euh, précise, disons, pour chacun d'eux. Euh, une fonction comme distribuer, modaliser, exclure, nier, etc. À défaut de signifier à la manière des catégorèmes une signification du type signe et référence à un contenu, les cinq catégorèmes sont un type de signe d'un autre ordre. Ils sont signes d'une fonction. Une fonction qui correspondrait à certains types d'opérations logiques ajouter, soustraire, impliquer, nier, etc. Selon une approche traditionnellement parisienne, j'arrive à mon troisième point, l'intérêt des auteurs est porté sur les propriétés intrinsèques des mots, dont l'acte exercé d'un mot euh, sur un autre. Donc à propos de cette tendance, disons, dite parisienne qui s'intéresse à la propriété intrinsèque des mots, euh, je renvoie... Euh, bon. Je pourrais envoyer à plein d'études d'Irène Rosicatache. Je, je vais me contenter déjà euh, de la parole comme acte, publiée en 1900. Alors en Suisse, on dit 1994, 94 <laughs> On peut déjà lire euh, chez Pierre d'Espagne les distinctions euh, suivantes, dont on verra la reprise chez Henri de Gand. Et je reprends là à Irène euh, de traduction. Donc Pierre d'Espagne. On doit d'abord savoir que négation est entendue de manière équivoque. Un, euh, j'ajoute, parce qu'il peut vouloir dire énoncé négatif, et il s'agit là d'un type d'énoncé. Mais deux, négation peut aussi vouloir dire signe ou instrument pour nier, et ce, de trois manières différentes. Alors, deux, un, la négation en tant qu'instrument pour nier peut être prise d'un côté en tant que substance, comme dans le nom négation. D'un autre côté, comme acte, comme dans les verbes, euh, je nie ou oui je nie, niant ou nier. Et selon ces deux modes, la négation est prise en tant que conçue ou prise euh, sur le mode du concept. L'autre manière, la négation peut-être compris comme un instrument pour nier euh, et pris en tant qu'exercé donc non plus comme un cons, euh, compris euh, comme un concept mais euh, comme un acte exercé et c'est ainsi que la négation est signifiée par la particule non L'acte exercé ici n'est pas compris au même niveau que l'action signifiée par le verbe. Cet acte exercé est le pouvoir opérant de la particule. La particule comme non a un pouvoir agissant ça vient de là, sur les catégorèmes. Mais on voit encore plus clairement l'idée que ce sont des propriétés des termes dans un passage d'Henri de Gant dont le contenu est très proche de celui de Pierre d'Espagne. Donc je vais le lire rapidement. On doit savoir d'abord que négation peut être entendue de deux manières. D'un côté, c'est une sorte de proposition, etc. D'un autre côté, c'est une propriété du terme ayant la propriété de nier ce qui se fait. De deux manières, soit elle est dans le terme en tant que chose signifiée, comme dans le mot négation ou dans le verbe je nie. Soit elle est dans le mot en tant que mode de signifier ou mode d'intelliger, et ainsi en tant qu'exercé. Telle est la valeur du mot non en tant qu'instrument pour nier. À la question de savoir si dans un terme syncatégorématique il y a une différence entre signification et fonction, Boise de Dacy, de tradition parisienne et de la première génération modiste, euh, répond de manière concise ainsi. On répondra que le signifié et la fonction d'un terme syncatégorématique sont différents, puisqu'un terme syncatégorématique, qu'il soit placé dans un énoncé ou non, a toujours le même signifié et n'a sa fonction que lorsqu'il est mis dans un énoncé. Il est donc nécessaire de dire que la fonction d'un terme syncatégorématique est l'effet de sa signification. Oui? Non. Je pense que ce que veut dire par là Boès de Dacis est qu'un 5 catégorème signifie la négation, tout comme euh, le nom commun la négation ou le verbe je nie. Euh, il signifie Un 5 catégorème signifie la négation indépendamment de sa fonction, qui est de nier, qui par contre est effective une fois euh, qu'elle est dans un énoncé. Et donc, disons que son propos peut suivre ce qu'on a déjà, s'inscrit aussi dans ce qu'on a déjà vu euh, plus haut. Avec, euh, bon, évidemment, quelques différences mais que je ne vais pas aborder euh, maintenant, ni aujourd'hui. Enfin, moi, bon, quand on a des questions, après. Donc, Boès tient, euh, je dirais, euh, ici, à accorder une signification intrinsèque au terme malgré tout. On voit typiquement ici l'intérêt dans la tradition parisienne de déterminer la propriété des mots et de comprendre la sémantique dans un rapport entre un son vocal et sa signification sans faire intervenir la dimension pragmatique, celle des interlocuteurs pour expliquer ce qu'est la signification. Une conception de ce qui garantit la signification complètement différente de celle de Roger Bacon puisque ce dernier conçoit la signification d'un mot comme essentiellement dépendante de ses utilisateurs et estime que l'autre modèle ne parvient pas à expliquer ce qui garantit la signification d'un mot. Donc à ce sujet, je renvoie euh, en plus les travaux d'Irène rosier catache à un article de Laurent Cesali et Claudio Maggiolino, euh, Making Sense, euh, etc. Dans la première partie du... Du titre de l'article. Une réponse possible pour expliquer le type de signification des cinq catégorèmes est déjà évoqué, A déjà été évoquée. C'est qu'ils sont des, les signes d'une activité mentale du type activité de la raison consistant à composer, diviser, etc. C'est l'avis de Roger Bacon qui s'intéresse particulièrement à expliquer la signification. Je le répète, dans son rapport au locuteur et notamment le locuteur comme agent principal de la signification. Alors, donc là, je... il y a un extrait euh, tiré de la summa des sophismatibus et distinctionibus. À l'autre argument, on répondra que signifier la distribution ou le regroupement Collectio peut se faire de deux manières, à savoir soit sur le mode du concept, et ceci peut se faire de deux manières. Oh. Soit sur le mode du repos, donc par rapport au mode du concept, qui ensuite se subdivise, soit sur le mode du repos, per modum ketis, comme ces noms, distributio, collectio. Donc, euh, sur le mode du repos, c'est typiquement euh, le mode euh, de la substance. Soit sur le mode du mouvement, per motus fieri, comme les verbes, distribuere ou colligere. Ou alors sur le mode de l'affect, comme de tels signes, par exemple omnis. Or, il y a deux types d'affects. Les premiers sont provoqués par des choses extérieures, tristes, agréables ou étonnantes, affectant l'âme. Ce sont la joie, la douleur, l'admiration, etc. On les signifie par les interjections, parce que ce qui affecte l'âme est conçu sans délibération de la raison et exprimé par l'interjection. Mais il y a un autre type d'affect de l'âme qui est constitué par ces actes de la raison la distinction, le désaccord, l'ordre, l'union de deux termes et autres de ce genre. Lorsque l'âme saisit deux expressions simples qui ne conviennent pas l'une avec l'autre de manière cohérente, comme homme et âne, elle est affectée par leur désaccord. Et le mot non est le signe et la marque de ce désaccord. De même, lorsque l'âme conçoit deux propositions complexes, elle est affectée par l'ordre dans lequel elle se trouve l'une par rapport à l'autre et si est le signe d'un ordre affectant réellement l'âme. Si dénote donc l'acte sur le mode de l'affect. Donc là, j'ai repris la traduction donnée par Irène Rosier euh, dans son livre La parole comme acte. Oui, Alors pour Bacon, les cinq catégorèmes, comme les interjections, signifient sur le mode de l'affect. Dans un cas, L'interjection, parce qu'il s'agit de mots exprimés en raison de choses extérieures qui affectent l'âme sans qu'elle soit conçue et signifiées sur le mode du concept. Tout juste pas. Vous voyez, sur... Comme lorsque je dis aïe, au lieu de j'ai mal ou il y a de la douleur. Dans l'autre, il s'agit de signifier des actes de la raison provoqués. C'est moi qui reprends le... L'idée de quelque chose qui provoque euh, lié aux interjections. Donc, des actes de la raison provoqués, euh, pourrait-on dire, aussi par l'intellection d'expressions simples ou de propositions qui consistent à exprimer quel acte opère la raison vis-à-vis -vis de ses contenus, négation, complexion, etc., dont aussi la distribution. Bacon souligne bien là que les signes. Euh, de tels actes sont, ont pardon, pour agent principal un intellect. Donc une personne, un, loc, euh, un locuteur. Le signe n'est qu'un instrument pour signifier ses actions. L'action est celle de l'agent, pas celle de l'instrument. Un autre, texte qui, un autre extrait qui, qui explicite euh, cette idée. À l'autre argument, on répondra que de même que l'homme ou l'âme est l'agent principal dans l'opération de négation et le mot non l'instrument, de même celui qui frappe est l'agent principal de l'acte de frapper et le bâton l'instrument. De même, l'homme ou l'âme est l'agent principal dans la distribution du sujet et omnis l'instrument. Comme disait Irène Rosier à ce, su su à ce sujet, je cite. Irène. Une telle conception donne au verbe exercer, donc une telle conception euh, telle que la Roger Bacon, donne au verbe exercer un sens beaucoup plus fort qu'il ne l'a dans la tradition parisienne. Si l'on dit simplement que le Saint-Catégorème exerce la distribution, on finit par entendre cet exercice comme une fonction, parmi d'autres dépendant d'une relation syntaxique de détermination. Fondé sur un mode de signifier particulier, ce qui est le cas chez les modistes. Donc, certes, par rapport euh, à cette différence entre Bacon et les modistes, mais on trouve des discussions très intéressantes chez les modistes sur la notion d'action utilisée pour expliquer la distribution qu'opérerait un terme comme omnis avec un terme commun, et notamment, c'est là où c'est encore plus intéressant, je crois, quand il s'agit d'un terme équivoque, qui pose alors la question de la multiplicité des actes de distribution, s'il y a plusieurs signifiés différents. Il s'agit d'une discussion euh, qu'on trouve chez Robert Kilward-Bee, Albert Legrand, puis les modistes et dont parle Constantino Marmot euh, dans son livre, publié aussi en 1994, <laughs> Semiotica et e nella Scolastica. Donc j'arrive à la dernière partie, et je vais y aller rapidement, parce que je crois que j'ai déjà pris trop de temps. Dans les questions disputées sur les réfutations sophistiques des penseurs modistes, ou des penseurs du moins chez lesquels on peut trouver des éléments doctrinaux proches, de ceux des modistes, on trouve une question disputée sur la distribution d'omnis lorsqu'il s'agit d'un terme équivoque, par exemple typiquement canis. La question est la suivante et telle qu'elle est formulée, ah, je vous pas mis, voilà. euh, et telle qu'elle est formulée chez Radulfus Brito, est-ce que le signe universel qui advient au terme équivoque distribue tous les signifiés du terme équivoque? Pour n'importe quel suppôt, par une seule distribution et en même temps. Donc il y a là en fait deux questions. Une première, est-ce que le quantificateur distribue de manière égale pour tous les signifiés du terme équivoque Et une deuxième question, est-ce que la distribution est dans ce cas un acte unique ou est-il multiple selon le nombre d'objets distribués Alors je vais exposer. Rapidement, 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 la réponse de Radulfus Brito à cette question. Alors, elle présente l'intérêt d'exposer à la fois ce que la tradition modiste qu'il précède assume comme réponse aux deux questions, mais aussi comment Brito l'enrichit de considérations euh, pragmatiques, combinant ainsi exigence de la théorie modiste et prise en compte de la dimension pragmatique lorsqu'il s'agit d'expliquer la signification. En outre, sa position quant à la notion d'action utilisée pour expliquer la distribution lui est spécifique que je sache pour l'instant. Je serais justement intéressée de poursuivre à ce sujet euh, ultérieurement. Alors, à propos de cette question, si le signe universel advient au terme équivoque, distribue tous les signifiés du terme équivoque pour n'importe quel suppôt, par une seule distribution et en même temps. Avant d'aborder sa solution, je donne l'exemple. Euh, d'un argument exposé dans la première partie de la question pour avoir une idée de la nature de la discussion. J'ai choisi l'argument 1.3 de la question 16 aux questions disputées sur les réfutations sophistiques. C'est ça Oui. Aussi, ce qui vaut, donc ça c'est un argument qui est exposé et qui va être ensuite contredit enfin, auquel euh, Radulfus va répondre. Aussi, ce qui vaut pour un agent naturel doit valoir pour un agent euh, artificiel en l'occurrence, euh, sous-entendu le signe universel, par exemple. Or, le même agent naturel peut agir en diverses choses par une action, comme la même chaleur peut chauffer en même temps plusieurs choses par une action de chauffer. Donc, un même agent artificiel en une action artificielle peut agir en même temps en divers signifiés du terme équivoque par la même action, en distribuant par une seule distribution. Et le signe universel est de cette manière. S'appuyant sur le phénomène de la chaleur comme pouvant chauffer plusieurs choses en même temps, l'argument entend prouver que comme un agent naturel, le feu ou la chaleur, par un même acte, peut chauffer plusieurs choses, le signe universel, comme agent artificiel, peut, même si ce n'est pas très heureux comme réduction, je crois qu'on comprend, le signe universel peut, par un même acte, distribuer tous les signifiés du terme équivoque. Brito répond à cela acceptant l'analogie agent naturel agent artificiel mais refusant l'explication de l'acte unique de distribution pour plusieurs <laughs> combustibles. À l'autre argument, lorsqu'on dit ce qui vaut pour un agent naturel vaut pour un agent artificiel, c'est vrai étant donné son mode. Et lorsqu'on dit que le même agent naturel peut agir en même temps en diverses choses, par une action comme le feu agit en diverses choses, chauffer, je, je le nie. Car l'action de chauffer est une action dans un patient comme dans un sujet et non comme dans un agent. Et c'est pourquoi, de même, il y a différents patients. Euh, disons, c'est pourquoi, de même, s'il y a différents patients, il y a différentes actions. Donc, évidemment, là, il s'appuie aussi sur euh, quelque chose qui est discuté euh, dans le livre sur les six principes. Donc, je vais tout de suite euh, sauter sur euh, sa, sa solution à la question pour terminer. Enfin, presque. À cette question, je réponds doublement. Premièrement, que le signe universel advenant au terme équivoque peut distribuer lui-même pour n'importe quel suppos signifié. Et cela... Si tous ces signifiés sont substantifs et universels, car autrement ils ne seraient pas proportionnés à ce signe omnis. Deuxièmement, je dis que cela ne se fait pas en un seul acte de distribution. Alors là, on retrouve l'idée si en fait le terme commun, euh, le terme équivoque est en fait constitué de plusieurs termes communs, omnis va attribuer pour chacun des signifiés de ces termes communs de manière euh, de manière équivalente. Il poursuit Et cela est ainsi quant au signe pris lui-même, et cela est ainsi quant au signe pris pour lui-même, car auprès d'un distribuant, auprès d'un être intelligent, le terme équivoque ne peut pas être distribué pour tous ses signifiants en même temps. Car le même être intelligent ne peut pas intelliger plusieurs choses en même temps. Mais auprès de différentes personnes intelligentes, tous les signifiés du terme équivoque peuvent bien être distribués en même temps ou auprès d'une seule personne intelligente. Alors, le passage que je viens de lire, parce que là, je ne sais plus où, où j'en suis par rapport aux, aux, aux extraits. Ce passage est intéressant parce qu'on voit typiquement euh, que Brito présente d'un côté ce qui doit découler naturellement de la théorie de la signification modiste par rapport à la fonction d'omnis et au terme équivoque, et ensuite le fait que si on essaie de comprendre la signification en la comparant à ce qui se passe du seul point de vue d'un seul intellect, on ne peut pas dire qu'omnis distribue de manière égale pour tous les signifiés du terme équivoque, puisqu'un intellect n'en saisit qu'un à la fois. Par contre, cette distribution multipliée aux différents signifiés du terme équivoque est parfaitement concevable si on imagine plusieurs personnes interprétant le signe. C'est là que Brito est un, très intéressant car il fait intervenir des considérations pragmatiques pour expliquer la signification, disons le, le mécanisme propre de la signification du point de vue de la propriété des termes. C'est là qu'on voit en fait se combiner les deux perspectives. Et je pense que j'ai déjà dépassé le temps, n'est-ce pas Donc, je vais terminer par la partie qui me semble la plus pertinente. Bon, je pense que je vais expliquer euh, en me souvenant. Du texte. Donc, comme je disais, il va dire que, alors très bien, le signe universel par lui-même peut, peut être en fait l'agent de, de plusieurs distributions, plusieurs actions conformément en fait à euh, plusieurs patients qui seraient représentés par les signifiés euh, du terme, euh, différents signifiés du terme commun. Mais dans cette question, il émet à un moment donné. Euh, un doute en disant comment est-ce possible qu'un même signe euh, en tant qu'agent puisse en fait, euh, <laughs> là, je, en fait euh, je crois que c'est bien difficile de, de recouper euh, l'affaire à cause du temps que j'ai largement dépassé je suis désolée mais disons que alors je vais essayer de résumer ça très brièvement est intéressant par rapport en fait à ce qui nous, nous intéresse euh, autour de, de l'action, c'est qu'il va dire que euh, l'action dans le cas euh, du signe universel ne peut pas être comprise comme un mouvement. Donc le signe universel comme signe disons, de, de la distribution n'est pas, en fait, le signe d'une action, mais le signe d'un mode d'intelligence. Et, en fait, voilà. C'est là où c'est euh, dommage que j'ai mal... Euh, que j'ai peut-être trop traîné dès le début, parce qu'en fait, c'était un petit peu euh, euh, sur ça que je terminais, et qui est justement particulièrement intéressant parce que, euh, justement, il se dégage, en fait, d'une certaine manière, il dit euh, il y a des limites à l'analogie de l'action lorsqu'on parle des actes de l'intellection. Je terminerai comme ça.